amis ebele bisekatu bozali kolanda DRC News Télévision, la chaîne qui vous apporte l'actualité politique, sécuritaire, économique de notre pays. Tozana esengwa okutana na bino lisusu lelo lundi début ya semaine ebandeli ya poso oyo ba IM23 bazali kokufa oyo FARDC auti ko récupérer deux localités Bwalanda ezali sous contrôle ya forces armées de la République démocratique du Congo, mais l'information phare ezali Makomi Oyo Paul Kagame a komeli tata mokonzi ya ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na nzela ya Denis Sassou Nguesso yango wana bomonaki le président était invité na niveau ya Congo Brazzaville pour na kokutana na homologue na ye oyo azali kobengama na Congo ya Denis Sassou Nguesso na minute oyo l'opposition ya Congo Brazzaville yango pe etelemi balobi jamais bakonduma ba hectare wana ebele bapesa yango na Banyarwanda pote baya osala bilanga kote na bango. Donc la société civile, l'opposition et aussi le mouvement citoyen ya mboka ina bali kotelemi la bongo décision ya Brazzaville ya kopesa bongo Banyarwanda ba hectare agricole oyo bayokanaki selon ba accord oyo ezalaki signé entre le président congolais Denis Sassou Nguesso et le président rwandais Monsieur Paul Kagame. Alors, na minute, il y a une tension. Pourquoi Kagame a préféré écrire à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo? Nous allons développer ensemble avec vous. Na Kati, il y a décryptage de l'actualité politique. On a zana esengo ya obete labino. Actualité pour les Kaki pendant le week-end ici en direct de votre chaîne. Alors, je vous demande de liker l'émission, je vous demande d'aimer l'émission, je vous demande de partager les liens pour que tous les Congolais, bisikatu bazwami, baye ba prouesse oyo armé nabiso, mapinga nabiso, noazalendo, et la police nationale congolaise bazali kosala. Je vous ai dit, nous décryptons l'actualité politique, nous décryptons également l'actualité sécuritaire. Cette fois-ci, nous allons décrypter l'actualité politique. Na deuxième point. Munokonanga mokonganga. Je l'avais dit ici, Makambo Yotali, Bandoki à Union Sacrée. Présidium Wana à Union Sacrée. Si vous cherchez les sorciers de la République, regardez le présidium de l'Union Sacrée. Si vous cherchez les gens qui sont à la base de la souffrance des Congolais, regardez le présidium de l'Union Sacrée. Bazangasoni Batouana. Je vais parler dans le deuxième point. J'avais déjà parlé de cette histoire. Batoubandimela Kingate, à l'époque, quand j'étais pas en train de parler. Il y a même 72 heures, j'ai parlé encore de l'histoire du Kamboso. Mboso yo, na age na yewana. Il s'accroche au pouvoir. On se demande est-ce que Mboso Botama qui n'a pouvoir. Ba député, ba communauté, ba moi na bango les chaînes de chasse. Bon, on le président mais on le babino ba député bosali la yango. J'aime la réaction de certains députés qui m'ont contacté pour dire communicateur de la République, donc on votait Vital Kamerhe, donc on votait le premier vice-président de l'Assemblée nationale Paul Tshilumbayi. Mais ba on le batikali wana ezala mboso, ezala mwana bahati, ezala ndeko ya bemba. Malgré à cause que non, atikala jamais ko imposé ndeko na ye azala na bureau définitif de l'Assemblée nationale. Mais madame Bemba, Caroline Bemba, azana. Je vais en parler, ne soyez pas pressés. Je vous demande juste de liker et à la fin, je vais chuter par l'ONATRA parce que je reçois plusieurs réactions. Il y a Bande Konabiso, Oyebazali Kousala na ONATRA. Je suis aussi d'accord avec vous, je l'avais dit, na ONATRA, tout n'est pas rose, mais il y a quelque chose qui s'est fait. J'ai des réponses, naba Oyebatuna Kimituna, et je vais les dire au travers de la même chaîne pour donner l'éclaircissement na ba oyo tu balandaki mana kanabiso oyo utaki koleka na onatra le 5 mois ya impayement ezali di ya nini qu'est-ce qui est fait qui a fait que batu bazwa 5 mois ya impayement je vais le dire batu ba beninga ite banda mois ya janvier ti le lot futamité département ozalaka esalaka nanute et si ekufa nango banda kala. Le DG, c'est débat. Pour n'en confondre Tabino. Bon, 8 mois, un paiement à 5 mois, ou aller qu'on condamne DG qui a détourné Mbongo. Dites-moi, dans le département, yo, Zalakawana, vous produisez à Kanine.
Vous produisez combien? Ce sont les interrogations que nous allons parler dans la deuxième et la troisième partie, il y a émission. Alors, avant la quota, na maman na makamboyo, na ebisibino, eza na ba généraux ebele, ezali na ba allié ebele, ezali na manduki ebele, pe fati awuti kosomba 136 chars de combat de marque turque. Donc, on peut s'appeler ma modèle Nangote. Pour ma nguna, ma koki kokende koluka, comment ko contrer yango. Nenge ba sala ki na ba drone CH-4B. Oh, les ala ki fabriqué na Chine. Mais yambalo yo, ba nya Rwanda, bazali na bisika okendete. Ba nya Rwanda, bazali kose. La France, les États-Unis, l'Union européenne en général. Ba sokoli maboko neti Pilate ba lobi Kagame oyo yo osali ya kobombarder ba civil oyo Tshisekedi ao réagir wana etali lisusu biso te. On a pesé pote Tshisekedi atika l'option militaire bokende na dialogue boyokana na nzela ya diplomatie. Mais vous avez bombardé à la surprise de tout le monde un site qui a brité le déplacé de guerre. Ceux qui ont fui la barbarie de rebelles. Et maintenant que Tshisekedi décide de faire les offensives, Kagame prend le courage. Pour Ayebi, que Félix Tshisekedi, depuis Baviro, le Banyarwanda, Basalaki, il y a qu'au bombardé site, il y a déplacé. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le président de la République, avait mis fin au processus de Luanda. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, avait envoyé son haut représentant. Na kombe ya Serge Tshibang, yende mutuakende ki ko faire notifier na monsieur Lorenzo le retrait de la République démocratique du Congo na processus wana ya Luanda. Le processus de Luanda, c'était quoi? C'était dans le but de parvenir à un accord commun entre les deux pays pour qu'il n'y ait pas la guerre entre les deux pays. Vous vous en souviendrez. Il y a la possibilité dont les Américains avaient dit qu'aujourd'hui nous sommes prêts d'une guerre entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Et pour éviter cette guerre, il a été décidé que M. Lorenzo, envoyé par la communauté internationale et surtout les États-Unis d'Amérique, avait l'objectif de convaincre Félix Tshisekedi, parce que parmi le président, entre les deux, le président qui s'opposait au dialogue, à la rencontre, à une table ronde entre le Rwanda et la République démocratique du Congo, ou soit entre l'M23 et la République démocratique du Congo, c'était Félix Tshisekedi qui était catégorique, qui avait refusé d'être sur le même trace. Il y a prédécesseur Naye, Joseph Kabila. C'est ainsi que Tshisekedi notifie Lorenzo. Il y a rien dit que non, tu as aucun délit sur un dialogue. Comme le Rwanda ne veut pas écouter le langage diplomatique, comme le Rwanda joue à l'hypocrisie, comme Paul Kagame ne respecte aucun de ses engagements, moi, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, je me retire de ce processus. Il y a dialogue. Je pars pour aller défendre chaque centimètre carré de mon territoire. Je pars pour défendre chaque Congolais qui est maltraité par le rebelle du M23. Arrivé à Tshisekedi, lorsqu'il a écourté son voyage dans l'espace à l'Union européenne, il a même annulé une visite officielle à Hongrie pour venir donner les directives que l'armée devrait suivre. Voilà pourquoi depuis retour ya Tata Mokonzi à l'école, vous pouvez vous renseigner, vous allez voir que le chef d'état-major général, M. Christian Tshiwewe, Azala Kadisu Sawana Kinshasate. Pourquoi? Le chef de l'État lui a dit d'être au front avec les soldats, d'être au front avec les commandos, parce qu'il y a toujours quelque chose où les soldats n'abissent pas à l'île
ko critiquer ba ali ko déplorer c'est les chaînes la chaîne de commandement oh les ali na kati nango ba infiltré bazali meke le chef de l'état le commandant suprême a instruit le chef d'état-major. D'ailleurs, vous avez vu au niveau de Kassindi, le chef d'état-major général, Christian Tshiwewe Songesha, était accompagné de Chiko Tshitambwe. Christian Tshiwewe Songesha était accompagné na chargé la opération M. Falsikabwe. Parce que tous les trois, Batobale Kokamba armé, le chef de l'État leur avait dit de ne plus rester à Kinshasa, mais de se rendre à Goma pour suivre de plus près la situation de la guerre. Et que depuis que ces trois sont là, au niveau de la SA République, l'armée est en train de monter en puissance. La SADC, en fait, la mission de la SADC entre aussi en danse. Pourquoi la mission de la SADC entre en danse? Cette mission de la SADC qui a un mandat offensif, c'était d'abord donné à ceux qu'il faut qu'on aille la mutualisation des consignes, la mutualisation des stratégies, la mutualisation aussi de plans d'attaque. Oyo, armée Nabiso, ensemble avec la mission de la SADC, devrait utiliser sur terrain. C'est ainsi que, depuis que les attaques ont commencé, les attaques sans recul, les gens sont en train de mourir, les rebelles sont en train de mourir. Lorsque vous regardez au niveau de Rwindi, à 5 km de Rwindi, le commandant de l'axe nord, M23, a été tué par le bombardement des forces armées de la République démocratique du Congo. Le Wazalendo, accompagné par les forces armées de la République démocratique du Congo, a réussi, Wana Ezaline à niveau de Kibirizi, à mettre une embuscade contre toute une jeep, camion Mobimba. Il y a un soldat rwandais, on le va coller une embuscade et ils ont été décimés. Et le numéro 2, il y a parti militaire, il y a M23. L'adjoint de Sultani Makengo, le chargé des renseignements, a été arrêté dans une des opérations des forces spéciales. Le même résultat à l'est, les Alina Katia Omonana. Les Wazalendo sont en train de traquer, de mettre les embuscades, de tendre les embuscades aux rebelles. Les forces armées de la République sont en train de pilonner toutes les positions. Il y a les armes lourdes et même ceux qui les manipulaient qui ont péri dans 48 heures au Tchikoleka, il y a week-end. L'armée est en train de monter en puissance. Voilà pourquoi la pression. Oyo, armée Zali Kotia, Nabaï M23, la pression que l'armée est en train d'exercer sur l'armée rwandaise, la mort, Oyo Zali Kotia s'installer dans leur camp et que les armes au Rwanda qui ont utilisé, la plupart ont été détruites, les munitions ont été abandonnées, tango batandra bango bambiscade, le Wazalendo, bangonde bakeyi ko récupérer. Comme pour dire, les M23 commencent à soutenir, à financer, à donner les munitions au Wazalendo. Et de quelle manière? C'est parce que tango bali ko pupola bango, nako kima na bango batiki manduki, batiki ba munitions, batiki ba armement, le Wazalendo récupère et continue à aller pour chasser. C'est comme pour dire, manduki le bayaki nango pona koboma ba congolais, ya ngonde komi koboma bango na bango, komi koboma bango moko. C'est pour vous dire que la détermination est le capital. Voilà pourquoi, lorsque Paul Kagame a Monique, il avait commis une erreur. Il y a bombardé na site Yamuguga, où les alliés à quelques kilomètres de la ville de Goma, il est allé voir dans l'entourage de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est le président qui reste proche de Tshisekedi, à part Lorenzo, où Tshisekedi a signifié qu'il est à se retirer na processus où il y a mes chers compatriotes, Kagame est tombé sur Denis Sassou Nguesso. Na outi ko yebisabino ne bandeli awa. Sassou Nguesso, na Kagame basala ki ba kor ya ote ke la Rwanda une vingtaine d'hectares agricoles. Ba opposa pe kuna ba tombo ki ba lobi te, ma belè na bango e kokendete. Wana bango na bango. Maintenant, lorsque Kagame trouve que Moutou ya koka ki ko, mais ma message n'est pas Félix Tshisekedi. Ezali Denis Sassou Nguesso. Il a écrit la lettre à Félix Tshisekedi via Denis Sassou Nguesso.
Les gens ont parlé, mais pourquoi tu sais que tu as accueilli Brazzaville? Mais Ayeka Kasikoyo, pourquoi accueillir les sous Brazzaville? C'était pour répondre à l'invitation lui lancée par son homologue Denis Sassou Nguesso, qui devait lui faire parvenir le message de Paul Kagame. Qu'est-ce que Paul Kagame a vu? Qu'est-ce que Paul Kagame a vu le lot pour comment un message au président de la République dans lequel il demande au président de stopper avec les offensives, il accepte de retirer ses troupes, qu'il puisse leur donner le temps pour s'organiser, comment est-ce qu'ils doivent se replier jusqu'au Rwanda. Ainsi, mes chers compatriotes, la réponse de Fatia était claire. Alors, le temps de négociation, le temps qu'ils ont laissé, que l'armée a laissé à Kagame et à son armée de se retirer sur le sol congolais, bango bayokaki yangote. La RDC a insisté dans des grands salons de prise de décision, dans des grands salons où les décisions se prennent. Avant qu'il y ait dialogue avec le Rwanda, l'armée rwandaise doit quitter les sols congolais. Kagame et son armée se sont entêtés. Ils n'ont pas voulu se retirer. Le loyo, ils sont presque morts. Il écrit à Denis Sassou Nguesso, Yebisa Fati, Ati Kanan ba offensive. Parce que les offensives ont l'air de Sabino. L'opération vengeance au Nazo et Bissabino. Demandez aux rebelles. Battez les sous sous Togo Nabango. Bala qui s'habille sur les sous sous ma image Togo Nayango. Ils sont en débandade. Que ce soit au niveau de l'axe nord Yawendi, que ce soit à Kibirizi, que ce soit à Matandu Bweremana, et d'ailleurs Bweremana Mukolo Yalobi, Bwalanda plutôt Mukolo Yalobi, Yangonde ba Popoli Bango, on a pilonné les positions et toutes les bases. Il y a M23 na Bwalanda. Na mini Tioyo, c'est une débandade totale. Le perte est énorme. Que les M23 sont en train de subir, Yangonde et Tindiki, M. Kagame, Akoma, Asenga, Nakata, Mokonzia, Yikolo, basto, penan, ba opération, que les forces armées de la République stoppent les opérations, et comme ça, le Rwanda doit chercher comment retirer. Et nous, Congolais, on est déjà experts, et on connaît le joueur et son jeu. Le joueur dont je parle, c'est M. Kagame. Le joueur dont je parle, c'est Monsieur Kagame. On connaît très bien la malice de Paul Kagame. On connaît l'habileté de Kagame. À chaque fois que les phares de Seba Betaka, un jour, deux jours, trois jours, Batikinan, le M23 a toujours eu le temps de s'organiser pour revenir attaquer les positions des forces armées. Kagame a zani kolukezani. Tant que tu as stoppé, il y a que s'organiser en appuyant. Parce que même les frontières, on a vu ces gibines qui déjà prises en charge, le dernier 345 km², ont été déjà prises en charge par le système militaire russe. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Yazoluka, côté Nabisoto Lembisa. Tout est la bango mao. Mais entre-temps, côté la bango, bazaba kozala na ndenge à s'organiser, comment est-ce qu'il faut attaquer la République démocratique du Congo? Yango moni nelo j'annonce seulement 175 chars. Bachar wana soki otali yango somo. Otali ka yo koboye, liebeti na nous licencité, yo moko yo ki somo. Yambalolo e outi ricité. Ya ricité ezali. Il y a des Chinois qui ont battu les sous ya ba Turc. Pointe, guerre, comme Laurent Désiré Kabila Lobaki, une guerre qui sera longue et populaire. Il y a même l'adhésion de la population congolaise. La population se réjouit dans Matanda, dans Bweremana, Lolo, dans Bwalanda, là où l'armée contrôle l'ensemble de ces localités. Yango Bozali, comme on a Paul Kagame, utilise maintenant sa malice. Non, vous voyez, vous devez d'abord stopper, nous allons nous retirer. Et si vous voulez vous retirer, retirez-vous sous le feu. Un jour, Toyokake, faire de ça, Betty Pebon Bata Moko, dans la localité Mokokuna, dans Rwanda. Toyokipe Kebana, dans la bango Pebakoufi.
Voilà un peu la situation sécuritaire qui se passe à l'Est pendant le week-end. Il y a eu des pertes énormes infligées aux rebelles. Je vous ai cité plutôt le commandant de l'Axe Nord a été tué. Le numéro 2 chargé de renseignement de l'ANR et de M23 plutôt a été arrêté. Et plusieurs officiers ont été décimés par le bombardement de forces armées de la République. Et Paul Kagame est surpris par cette stratégie parce que peut-être en Abosani, dans une minute, il y a 3 bataillons au lieu de rejoindre la partie Est. Ensemble avec le chef d'état-major, M. Falsi Kabouazali, chargé des opérations, et aussi Chico Chitambwe, Bazali accompagné par les 3 bataillons. Il y a le bataillon Ibu, il y a le bataillon Guépard, et il y a le bataillon, on appelle comment, Léopard. Le 3, Bazali sur terrain, et il faut rotation. Donc, il y a aujourd'hui le non-stop. Et grâce à ce non-stop, il y a un besoin de Kagame à Kéin à Brazzaville, dire à Sassou Nguesso, Yébissan de Konayo, Alembissana, Nungana, Bimisabatunanga. Et comme ça, nous allons voir qu'est-ce que nous pouvons parler. Et pendant ce temps, je profite pour rentrer dans le deuxième point. Pendant ce temps, Tshisekedi attend l'autorisation du Conseil des ministres. Que le Conseil des ministres ait quota. Bas siéger, bas statuer sur la déclaration de guerre. Parce que malgré les différents efforts fournis par le commandant suprême, ensemble avec les officiers militaires qui sont encore fidèles au commandant suprême, on attend l'autorisation. Le conseil des ministres doit statuer sur la déclaration de guerre. Et cette déclaration de guerre est Kozalabongo entériné au niveau de l'Assemblée nationale, les élus du peuple doivent accepter si nous pouvons partir en guerre contre les rebelles du M23. Maintenant que cela bloque la République, Tozali Komona Bandoki, le représentant de Satan République démocratique du Congo, le président de l'Union sacrée, Bani Kobunda Pona Bavantage Nabango. Le peuple est en train de mourir. Les enfants sont bombardés à Muguga. Les soldats sont en train de se battre. Mais on attend qu'il y ait le gouvernement, qu'il y aura le plein pouvoir d'engager le gouvernement dans cette guerre. Qu'on attend le bureau définitif de l'Assemblée nationale qui doit prendre les choses à main. Tu as dit comment la bande qui a union sacrée, bande qui a ba congolais, ba kei ba sangani autour de Gisè Kabuya, ba sali des blocs. Mboso Baati et Ben Babassali Blok Nabango. Samaloukombe et Vital Kamere Basali Blok Nabango. Bali Kogunda, Bali Kolukani, Bazali Kolukaba Poste. Et le plus ridicule, les actes, Yoruti Kozala, président de l'Assemblée nationale. Tu as été président à bureau d'âge. On dit quand même Okita. Yoruto Bundi est bloqué Awa. Depuis Babunda qui m'a désigné. Candidat Union Sacrée, il a bloqué Teto Kendeka na primaire. Boké na primaire aux UT. Nos amis Kokende na réunion, il y a bien le président. Président, il y a Kindouk. Ba Congolais, il y a qu'on souffrir. Bino, vos amis qu'on bloqué pour n'avoir intérêt na Bino. À l'âge de Mbosso, tu as été président de l'Assemblée nationale pendant 3 ans. Tu as gagné le détournement de 90 millions de dollars. Kaka Yabamitouk, mais le fait de fonctionnement, n'en parlons pas. Les invisibles, n'en parlons pas. Le Christophe Mbosso accepte d'être le deuxième président, vice-président de l'Assemblée nationale. Botala Kindoki à Congolais, à son âge. Ne peut-il pas rester simplement un député national? Pourquoi il veut seulement les postes? Quand tu sais que tu défends, il faut comme un dictateur, puis il dépasse ma toi démocratie, mais comme Luca. S'il faut un peu de la dictature, on comprend qu'en République démocratique du Congo, congolais, il faut qu'on me laisse film. La solution à toutes ces bêtises, c'est le changement de la constitution. Il y a un banal nous, même Tonga 100 francs, le Chinois va lui côté Kango, le Indien va lui côté Kango. Or, le commerce plutôt en détail. Les alliés exclusivité à la Congolais. Un étranger ne peut pas vendre en détail. Mais c'est autre chose en République. Et qui était ministre de l'économie de Kokamé? Et le Lazali, l'enthousiasme, il y a comme président de l'Assemblée nationale. Si au ministère de l'économie, il n'a rien foutu. Quand en Assemblée nationale, il y a au salaire quelque chose. D'ailleurs, j'ai vu le secrétaire général Billy Kambal.
s'opposer au changement de la constitution. Bah, il y a une stratégie, oyo, bah, salaki, na katia constitution, oyo, pour na avantage na bango moko. Vous prenez baati, accusez le détournement au Sénat. Donc, na AFDC, wana mobimba, ba député tout baza élu wana. Moutouali maïele koleka famille baati azalite. Pour le leba imposer Serge Baati, qui a toujours été assistant à Baati pendant la législature, au tata naïa zalaki sénateur, au tata naïa zalaki député, il était l'assistant de son père, sa première législature, au Pessier Kestir. Donc, na AFDC mobimba, bino batutu goza wana Maradona dribble bino, le nom Maradona a bimisi mwana naïe, comme Lionel Messi, ya AFDC, Serge Baati, Kestir. Quand à côté à Mbong, place au Bajira Kambon. Bemba impose sa sœur. L'union sacrée, bien les alliés, donc, ce qui va me conduire à la Mamonique et Awa, quand même, ce qui n'a pas mis poste, c'est comme si, na kukita, donc, na tchè mwanananga. Et le pays marche comme ça. Et le dignitaire de l'UDPS, Bazali, est-ce que vous vous sentez un peu fier dans la rue où se passent ces choses? Sentez-vous fiers, vous les combattants de l'UDPS, lorsque vous voyez ces histoires arriver? L'esprit dispense doit revenir dans les combattants. Tolongolana nous molimo mbong, tolongolana nous molimo ya misolo ya pouvoir, le maître du pouvoir, le maître du pouvoir, les amis qu'on languisse à dignité ya l'UDPS. Ils se laissent embarquer dans des bêtises comme telles. Bah, tcha tcha moine. Ata bino moko. Donc, na AFDC, wana bino pe bato AFDC. Na AFDC, wana moutwa maye la zate. J'ai aimé chez nous à l'UDPS quand même. Lorsque vous prenez le professeur Tshilumbaï, il n'est pas de la famille de Tshien Tshisekedi. Il n'est pas même proche de la famille de Tshien Tshisekedi. Mais il est candidat là-bas. Vous prenez Bouman, le candidat de l'UDPS ici à Kinshasa. Il est, nous donnons de près, membre de la famille de Tshien Tshisekedi, ou soit de Félix Tshisekedi. Mais pourquoi dans notre parti là, ceux qui exalient autorité, moralité, exalient de Konaï, ils ont Kindoki. Vu leur âge, la fonction qui m'a occupé, c'était des échecs, des détournements. Bah, ça va et l'autre côté, et les noms va comme il imposer Bissobana na Bango. C'est comme un héritage. Donc, royauté de Kobore, na AFDC, royauté de Kobore, na MLC. MLC, quand même, je peux être clément parce que tout le monde a bazaï, babazu, ba fonction. Mais bah, AFDC, a bat, ce qui va na naïete, ce qui va si naïete, ce qui m'attend naïete, moutoua aux apostes, wana zalite. Et vous aussi, NAFDC, vous avez un abobo telaye, ma boko autorité morale, autorité morale. Changez votre manière de voir les choses. Sinon, pas République démocratique du Congo et Koko Manet, royauté. Royauté, comment AFDC, ceux qui ont moins la famille, ma attitude, ou qu'on a la wana te. Moso CDR, ceux qui CDR wana. Député Moussou Zate, ou à Koka Yugo, comme deuxième vice-président wana. Kata Yombos. Président bureau d'âge, yo. 3 ans et où tu connais qu'à président de l'Assemblée nationale, yo. Mais enfin, tolobate. J'aimerais citer déjà dans 3 minutes, je vais répondre à un abonné. Oyo batuna kinga li kambalou kousana, on attend. Bopengi Bolobine de Kodjef, il y a 5 mois d'impayement. Comment vous pouvez soutenir quelqu'un qui n'a pas payé les travailleurs pendant 5 mois? Je me suis dit, est-ce que nous, Congolais, de fois, on peut analyser objectivement la situation de l'ONATRA? Peut-on analyser objectivement la situation de l'ONATRA? Combien de départements ONATRA Zalinango? Combien de départements produisent plutôt, et combien de départements ne produisent pas. Alors, ce que Otali Lelo na Onatra, il n'y a que Bakano, oh le deuxième Martin Lukusa, à Outaki Kosomba, grâce à ba Misolo Mike Mike, on a canalisé qui, ba recette vers la banque, Misolo Anande permettre que Bakano rapide, ils ont sur le fleuve Congo, et Bandakosala Moussala. Kuna la réseau côte, les recettes entrent.
Ok, il peut na onatra na 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 libon na peur ya onatra ya matad. Pour n'a pas zali ko produit parce que Martin Luku sa zali ko tonga que d'abord un et si esili que deux zali na kati ya otonga chantier naval. Oh, tu mouli bien bandaki ko sale ma kuna neti autorisé donc oye oye binengo lingi Martin Luku salobi pour canaliser le recette mettre le mesure ya kokangabami bi qu'est-ce qu'il faut faire. Il place les caméras de surveillance na chantier naval bisiko ki moyibi ezala ki autorisé pas ba agent na travailleur ya onatra o lelo bazolo ba bazali impayé ba tieni bango caméra de surveillance ki moyibi esili na chantier naval port ya matadi musale ezali ko salema le chemin de fer ezala kali susute. Et Koufa, Martin Koufa est en train de chercher comment kozongisa le train urbain, interurbain, na train urbain. Donc, train urbain, eux, ils ont Kinshasa, ils ont été à Kinshasa, ils ont gare centrale, ba Massina, Babilo, comme Moussousou, na interurbain, ils ont été à train, ok, Matadi. Tout cela, Martin Koufa est en train de mettre cela en place. Il y a aujourd'hui, réflexion là-bas, bâtiment nous sur Onatra. Le travail est en train de se faire. Maintenant, d'autres départements qui ne produisent pas. Vous, on vous paye grâce à Misalo et Zali Kosale Maba Recette et Kota Kanapor Yamatadi, grâce à Moro et Kota Kanabakano Rapide. Le DG est en train de souffrir mentalement parce que ma département est le Kébéré, mais il y a peut-être deux ou trois qui produisent. Naba production Zoroute Naba Trawana, Yangone Bazali Kofoute là, tous les travailleurs de l'Onatra. Et cela n'est pas suffisant. Pourquoi? Parce que même dans recette ils allaient kokota, il faut pas son baba matériel, il faut pas ça la entretien baba matériel. Et c'est n'est ni pe batuo le bazali ko travailler mettre construction ya bakewana et c'est n'est ni ba futama le réfection ya ba maison ya onatra et c'est n'est ni bato bazo salango ba futama. Tout cela ça prend de l'argent. Et de l'argent qui n'est pas produit en quantité na niveau ya onatra. Mais la volonté quand même d'aider l'onatra est là. J'ai vu un test écrit par quelqu'un de l'INC qui a donné à quelques communicateurs de l'UDPS moyennant quelque chose en disant que non, onatra va conseiller le chef de l'État qu'il a retraité 1 million de personnes ou soit 1000 personnes si je ne me trompe pas. Mais c'est faux. Mais c'est faux. On met quiconque à défi, sauf que vous allez dans les chiffres. Tu les amènes et nous allons débattre avec les chiffres. D'ailleurs, je vais amener les caméras de DRC News. Je vais faire un tour na chantier naval. Na image à Moussala déjà Luc Martin Luc Sazali Kosala. Je vais partir même à Matadi avec la caméra. Na la bino image, il y a comment ba que il y a ba port, il y a onatra ezali kotang kotongam. Babilo kwana ezala ki détruit. Babilo Kwana tout et Zalaki détruit sous la gestion il y a 21 ans. Il y a 2 euros Babandaki Kosala. Regardez que le long avec Martin Lukusa, tout est en train de partir en bon terme. Alors, je vous promets de vous amener la caméra, les images. Je vais partir partout où les travaux se font pour que je puisse venir vous présenter une émission spéciale, la gestion du directeur général Martin Lukusa à l'Onatra. On se retrouve demain sur la même chaîne avec le même plaisir. Ciao.